أنت فين؟ Je suis venu te sommer de payer mon dû. J'étais déjà venu te voir pour récupérer ce que tu devais me payer après les 2 semaines d'échéance que je t'avais accordées. Mais tu ne m'as rien donné. Je t'ai même laissé un peu de temps pour que tu te refasses des forces. Jusque-là, rien. Alors, Antafil, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu me payes. Selon ce qui avait été dit. 25 000 francs. En espèces. Une dame jarre de fer rouge. Une chèvre. Vas-y, vite. Si c'est sur le dos de ta femme que tu comptes t'enrichir, moi, Antafil, je ne peux pas t'encourager dans cette voie. S'il te plaît. Fiche-moi la paix. Que je te fiche la paix? Fiche-moi la paix, Zvi. J'en ai marre de cette histoire. Si tu trouves que ce que ta femme distribue là est très précieux, moi je suis prêt à te proposer autre chose. Tu n'as qu'à choisir l'une de mes 2 épouses. Bernadette ou Apolline. Tu as le choix. Au lieu de venir me casser les oreilles chaque jour, laisse-moi tranquille. Ouais. Ouais. Ta fille. Tu me vois, moi, Zibi, en train de prendre la femme d'autrui? Même si c'est avec l'autorisation du mari. Je ne peux pas entrer dans ce jeu. Ce qui m'intéresse, c'est d'entrer dans mes droits. Tes droits? Quels droits? Les droits de la loi coutumière? Hein? Tu as couché ma femme, oui ou non? Tu dois donc me dédommager. Je suis content que tu aies parlé de loi. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que tu as porté plainte? Azim, tu n'as qu'à porter plainte auprès du chef. Et quand le tribunal coutumier aura reconnu que la faute que j'ai commise mérite tel ou tel dédommagement, je le ferai. Je te payerai cash. Sinon, pour le moment, ne t'attends même pas à un copec. D'ailleurs, ta femme était consentante. Comment? Ça ne change rien. Tu dois me payer. Martina, bonjour. Tu vas où comme ça, si élégante? Je vais au marché faire les achats. Ah, donc tu vas en ville? Mm-hmm. En fait, bon, j'ai quand même quelque chose à te dire. Et ce n'est pas les 2 ou 3 minutes là qui vont t'empêcher d'arriver en ville. Parle alors. Bon, tu vois, depuis que ton ambassadeur itinérant là est parti, j'espère que tu as suffisamment des idées claires maintenant pour comprendre que l'homme qu'il te faut, hein, c'est bien moi, Engang. Enfin, j'ai su être patient, hein, attendant mon heure, sachant qu'il arrivera un moment où tu reviendras entre les mains d'un digne fils de la contrée. Oh, il n'est pas tard. Je crois donc qu'il est vraiment temps qu'on se mette ensemble et que nous consommions la chose. Pour qui te prends-tu? On t'a dit que je suis une pute pour aller d'un homme à l'autre? Non, non, c'est pas ce que ou alors c'est ta quéquette qui te démange trop. Et puis, pourquoi t'imagines-tu que ce que j'ai refusé dans le passé, je peux l'accepter maintenant? Je ne te veux pas, ni toi, ni un autre homme. Non, Martina, écoute, laisse-nous ça. Attends, attends un peu, attends un peu. Laisse-nous ça. Ça, c'est rien. Je connais ce langage-là. Attends. C'est quoi? Hein? La bouche dit une chose, mais je sais que le corps, lui, en dit une autre.
Qu'est-ce qui a venu déranger les gens avec une banale histoire de fesses? C'est comme ça que tu emmerdes souvent les gens quand ta femme distribue ça? Payer, payer, payer. Qu'est-ce que je dois même payer là? S'il y a quelqu'un qui doit payer dans cette histoire, c'est toi. Ah bon? Mais oui. Et pourquoi? Mais Zibi, tu ignores que je t'ai aidé? Semble que tu ne connais pas ta femme. Ah. Une véritable tigresse. Peut-être que tu ignores qu'elle est une dévoreuse. Tu ne sais peut-être pas que c'est une véritable sangsue. Comme? Au rythme où elle demande ça aux hommes, je ne suis pas sûr que tu puisses tenir le coup avec ton dos en miettes. Un seul homme ne lui suffit pas. Et au lieu de venir me remercier que je t'ai donné un coup de main, tu viens me casser les oreilles chaque jour avec « paye-moi, paye-moi, paye-moi ». Ça veut dire quoi ça? Comme? Laisse-moi passer. Je préférerais mourir plutôt que de devenir ta maîtresse. Laisse-moi passer. Non, écoute. En tout cas, je sais que qui va lentement va sûrement. Et ma force, c'est que je sais attendre. Pour terminer, je vais te dire une chose. Même s'il te restera une dent, j'ai dit une seule dent, sache que je serai toujours un candidat valable. Assia. C'est quoi ça? En tout cas, je t'aurai. C'est moi qui devrais me porter plainte pour que tu me payes. Mais moi, je suis magnanime. Je te laisse tranquille. Alors, laisse-moi tranquille. C'est ton dernier mot? Mais ce n'est pas tout. Si tu veux, je peux aussi ajouter que... Si tu trouves que le fait que je t'ai coquifié est vraiment dérangeant, pars du village. Oui, quitte le village. Mais cela ne résout pas le problème de fond. Je te conseillerais seulement de mettre un cadenas entre les cuisses de ta femme. Comme ça, tu seras plus tranquille. Attention, hein. Un jour, quelqu'un va te casser la gueule malgré ta vieillesse. Viens déranger les gens. Paye-moi ceci, paye-moi cela. Azibi, fiche-moi le camp.